C'est un véritable travail de fourmi, manuel, qui demande beaucoup de patience. Les espaces verts de la ville de Limoges, accompagnés par la Fédération de pêche de Haute-Vienne, avec l'aide de la Fédération des chasseurs, procèdent à l'arrachage de la Jussie, plan d'eau d'Usura. On a encore des petits bouts là. Donc on voit la longueur là, en termes de capacité de la plante. Elle produit une grande tige, de façon à aller chercher la surface de l'eau. C'est assez... En termes d'adaptation, on peut difficilement mieux faire. L'idée de cette journée, c'est d'arracher un maximum de jussie sur les zones que nous avons définies comme étant prioritaires. Donc toutes les zones de repousse principales du plan d'eau vont faire l'objet d'une attention particulière aujourd'hui pour essayer d'en enlever un maximum du milieu, parce que c'est une espèce qui est hautement invasive. Ça ressemble à ça, et puis ça fait des grandes tiges qui s'avancent sur l'eau en flottant. Alors nous avons signé en tant que fédération de pêche une convention particulière de gestion halieutique et piscicole du plan d'eau du Jura. Et donc en tant que partenaire, nous intervenons sur tout ce qui est relatif à la gestion piscicole, donc les empoisonnements, la gestion de la pêche également, et aussi l'arrachage de la jussie qui est problématique pour la pratique de la pêche. Si nous la laissons trop s'installer sur les berges, elle contraint de manière très importante la pratique de la pêche. En fait, elles vont s'installer sur le cordon rivulaire et s'étendre vers le large jusqu'à des profondeurs qui leur permettent de s'implanter. Et on peut avoir des largeurs de jussie de 4, 5, voire 6 mètres. Donc évidemment, quand on est pêcheur sur le bord, on peut difficilement aller pêcher puisqu'on a 5, 6 mètres de jussie devant soi. Donc c'est totalement inimaginable qu'on la laisse s'implanter de manière anarchique. C'est nécessaire de le faire aujourd'hui parce que pour l'instant, elle n'est pas encore trop développée. Ça pousse très 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 vite. Déjà là, en une semaine, il y a eu des pousses de plusieurs dizaines de centimètres, voire de plusieurs mètres qui sont faites, quoi. Donc avant qu'il y en ait trop, on intervient tout de suite, sachant qu'elle va repousser et que peut-être il faudra qu'on intervienne une nouvelle fois dans l'été et peut-être une troisième fois, je ne sais pas, il faut qu'on voit.